Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog, vous ne rêvez pas. C'est vrai que je délaisse en fait ma chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup de mal à partager sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Je passe beaucoup de temps et d'énergie sur Instagram et c'est vrai que j'en délaisse en fait tout simplement YouTube et je crois que je vais finir par arrêter en fait tout simplement YouTube parce que le temps que ça me prend et le retour que j'ai n'est pas suffisant. Donc je préfère utiliser ce temps-là pour Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous remets de toute façon mon compte Instagram ici. Il y a un concours en ce moment de dingue pour gagner soit le même appareil photo que moi, soit un bon d'achat de 1 000 €. Donc ça vaut vraiment le coup si vous n'êtes pas encore abonné et puis vous abonner pour me faire plaisir et pour nous suivre au quotidien. Et ben voilà, on a fêté calmement en famille, des deux côtés, on a fait 3 Noël, 2 réveillons de Nouvel An, la nouvelle année, etc. Donc voilà, la semaine a été vraiment fatigante et là on recommence bien l'année sous la pluie, mais avec des températures qui avoisinent les 15 degrés quand même. Donc autant vous dire que ce n'est pas normal, mais pour une frileuse comme moi, c'est assez agréable, j'avoue. Samedi, on a fait un test antigénique parce qu'il y avait un membre de notre famille qui avait été positif. Et donc, on voulait être certain voilà, qu'on était bien négatif. Donc, on a fait un test chacun. C'est 25 €, hein, les tests antigéniques. Et du coup, on en a profité comme on était tous les deux négatifs. J'ai même rien partagé sur Instagram parce qu'on voulait vraiment profiter de cette journée. Et donc on a fait Paradiser, on a fait restaurant et on a fait cinéma sur la même journée. Comme ça, voilà, en 24 heures, puisque c'est valable 24 heures seulement, on a fait 3 activités. Maintenant c'est bon, on est reparti pour un petit moment. Là, Simon est parti déposer un colis qui doit repartir chez Chine, parce que j'avais fait une commande Chine et il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Donc voilà, il est parti les renvoyer. On a mangé chez ma maman ce midi et là on va aller faire quelques courses. On va d'ailleurs aller chez Picard. On va aller acheter une galette des rois chez Picard. Elles sont délicieuses, mais vraiment, elles sont... Je dois faire un renvoi depuis tantôt, j'essaie de me concentrer, mais c'est pas facile. Elles sont vraiment délicieuses chez Picard. Donc vraiment, s'il y en a encore, faites un stock. Et clairement, je crois que je vais faire un stock au congélateur parce qu'elles sont vraiment excellentes. Donc voilà, Jeanne est restée avec ma maman. Du coup, on part tous les deux, on va faire quelques courses et on se reprend tout à l'heure à la maison. Pas de câlin, maman. Ça va, ma bique? Je vous montre parce que franchement, je suis super fière. La galette des rois qu'on a pris chez Picard, c'est une galette des rois que vous devez cuire. Donc ça, c'est une pure beurre frangipane amande, la classique de chez Classique, hein. Vous avez une petite couronne à l'intérieur et bien sûr il y a une fève. Elle est à cuire, donc vraiment elle est super fine à l'intérieur. Elle doit cuire 45 minutes, mais regardez-moi le résultat. Franchement, je la trouve même plus belle chez moi que sur l'image. Vous allez me dire en commentaire, mais regardez-moi ça. Non mais sérieux, elle a triplé de volume. Elle est énorme. Elle est hyper belle. Franchement, elle est encore très chaude, donc j'attends avant de pouvoir la goûter. Est-ce qu'elle n'est pas plus belle encore que sur l'image? Sérieux, moi je préfère la mienne. Elle est canon de chez Canon. Trop fière. En plus, celles de chez Picard, elles sont super bonnes. Donc, je sens que je vais aller me faire un petit stock. Je suis impressionnée. Franchement, je pourrais même dire que je l'ai faite moi-même. Canon de chez Canon. J'aime trop. J'avais déjà pris un petit abreuvoir pour mes poules. Je vous avoue que rouge, ça m'ennuie. Je suis folle, hein. Mais j'ai dit à Simon, je repeindrai bien juste l'extérieur. Voilà. C'était une réflexion comme ça. J'ai déjà mis ma petite pelle, ma petite brosse. J'ai trop hâte de les avoir. Et là, on installe la fameuse petite porte de chez Omelette.
Hop, là Simon l'a fixé. Maintenant on va venir mettre le moteur avec la petite lampe. Ça va être trop trop bien. Oui. Open in 2. Trop chouette. T'es sponsorisé par Shein, Jo? Oui. Je suis heureux. Ah, mais parfait! On ne voit rien du tout! On marche pas bien! En tout cas, s'il y a une fibre qui nous touche, on la dégomme. Hein. Toi, t'es ok. Même les surchaussettes, regarde! Ouais. Ce midi, c'est sushi devant des replays du meilleur pâtissier avec un Georges qui est là, une Mystique qui est là et une Gabi qui est là. Voilà, bon app. Je crois que je vais finir le vlog ici. J'ai un énorme mal de tête, limite migraine. Donc je pense que je vais aller me coucher et avant d'aller rechercher Jeanne à l'école tout à l'heure. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Ça a vraiment été un vlog complètement décousu où je vous ai pris par-ci, par-là, de temps en temps. J'ai envie d'éternuer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même d'avoir de nos nouvelles par ici, ailleurs que sur Instagram. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets mon petit compte Instagram ici. N'ayez pas peur de cette poupée. Elle vient du Kenya. Hop. Et elle date d'il y a... il y a très longtemps. Je n'ai même plus la force de réfléchir. Mais Jeanne l'aime beaucoup. Donc voilà, on l'a récupérée dans le grenier. C'était un petit cadeau que j'avais acheté là-bas. Et voilà, du coup, elle a sa petite poupée ici. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, ben écoutez, j'espère à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Ciao.